retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera la présentation du 9 Mega Thunderhawk. Donc là comme vous pouvez voir sur la boîte, c'est un 9 Mega, la gamme Acoustrack, mais la boîte est bien belle, mais c'est pas avec ça qu'on va tirer. C'est avec bien évidemment, si j'enlève une tombe, le blaster. On pose la boîte. Maintenant après tout on fait comme à l'usine à jeu. Et voilà, dodo. Donc, dans la boîte, nous y retrouvons bien évidemment le blaster, 10 fléchettes méga AcuStrike, un levier de chargement et son chargeur. Donc, pour le monter, c'est tout simple. Donc, il a un bipied intégré pour le mettre debout pendant la pause café. Pendant la pause goûter, parce que le café, les gamins, je ne connais pas beaucoup qu'en boîte. Donc pour le chargeur c'est simple, donc sur la boîte, sur la notice du blaster, ils nous mettent qu'on ne peut pas l'enlever, mais je vais vous montrer qu'après c'est pas vrai. Donc on le met dans le bon sens, de toute façon, de toute manière il y a des détrompeurs. Voilà. Le levier de chargement, on le dévisse. Pas comme sur certains blasters comme le Centurion, je vais vous faire un après. Vous savez qu'il fallait le clipser et puis il ne s'enlève plus. Celui-là, pour le rangement, c'est nickel, il peut s'enlever. Vu que c'est avec un vis et c'est nickel chrome. Donc. Les choses à monter, voilà, c'est juste le levier de chargement et le chargeur, et puis voilà. Donc pour commencer, on y retrouve quoi sur le blaster? Un rail tactique, c'est le seul. Un attache-angle ici et là. Et c'est tout. Donc côté prise en main, la poignée, ça va, elle n'est pas dérangeante, la crosse non plus. Donc les particularités sur ce blaster-là, c'est les chargeurs comme ça. Le levier de chargement, ça, c'est un bon point. Le bipied intégré, parce que si vous avez certainement dû voir la vidéo sur le Centurion d'usinageux, le bipied était vraiment merdique. Et il n'y a pas que sur le tien. Donc il y a ça, et il y a la rallonge de canon. Que voilà. Donc le blaster, une fois déplié, il fait 1m4. Donc il est un tout petit peu plus grand que le Centurion, qui lui faisait 1m3. Donc... Et le voilà, 1m3, bon, il y a 1 cm de décalage, mais globalement, c'est à peu près la même chose. Hein. Donc le truc, tiens, celle-là, je l'ai gardé pour tout à l'heure. Le Centurion, voilà, c'était le bipied qui était complètement merdique, et bah, qui n'a pas changé, hein. Depuis sa sortie. Donc voilà, c'était juste le Centurion que je vous l'ai fait voir, parce qu'il y avait juste 1 cm de décalage, et puis pour le bipied, donc voilà. Donc il y a ça, donc un petit rail tactique pour mettre potentiellement une petite lunette. Bon, là, ok, ça peut passer. Mais là, déjà, on a, c'est un peu moins stylé esthétiquement. Et pour viser, bon, ça passe, on arrive quand même à viser. Mais de toute façon, on sait très bien que les viseurs méga, enfin le viseur nerf, ça ne sert à rien. À part faire joli. Donc voilà voilà. Donc le canon du côté AcuStrike, donc on avait les fléchettes. Le canon externe, où c'est qu'on peut passer notre main comme sur le Raptor Strike que j'ai déjà présenté. Donc qui est là. Avec les petits espaces pour les fléchettes. Pour pas qu'elles frottent dans le canon et qu'elles perdent de la puissance et de la portée par ça. Donc c'était voilà la petite ressemblance entre les canons. Et la dernière ressemblance que ce blaster a, c'est par le chargeur avec le Battle Scout. Donc qui lui, dès qu'on finissait le chargeur, il tombait. Vous verrez que sur le Thunderhawk, il ne tombe pas. Et du coup, comme je vous avais dit, sur la notice, il disait que le chargeur, on ne pouvait pas l'enlever. Sauf que, bah c'est pas vrai. À un certain endroit... Bon, je sais pas si je vais vous faire voir, je le vois même pas là. De toute façon, c'est... Oui, c'est bon. Il y a deux petits rectangles, deux petits triangles, il faut que je retourne en maths, là. Et si on les appuie, si on appuie dessus, on peut désengager le chargeur. Mais bon. Ah, le voilà. Et du coup, on peut l'enlever comme on veut. Donc, en enlevant ça... Le levier de chargement, on peut très aisément l'accrocher sur un mur. Ça, c'est pas le problème. Du coup, j'étais vachement content quand j'ai appris ça. Je l'avais appris, il me semble que c'était sur la vidéo de Nerf Broche. Donc, ça m'a vachement plu.
Donc voilà, donc on va quand même essayer de tirer avec. Hein. Donc on va remplir le chargeur en fléchette. Bon bah c'est tout simple. Hein. On prend les fléchettes, on les met dedans. Alors celle-là, elle ne siffle plus. On a perdu le petit sifflement. C'est dommage. Le sifflement, c'était quand même bien sur la gamme Mega. Et puis là, ils l'ont pas mis. Bon, j'ai déjà paumé une fléchette. Bon, elle est pas vraiment perdue parce qu'elle est dans le coin, mais je l'ai pas retrouvée. Du coup, je vais remettre une Mega parce que les Mega, elles passent. Voilà. Donc, pour tirer, déjà, on rabat le chargeur du côté gauche du blaster. Hop là. Et pour tirer, il faut bien ramener le gun en arrière puis en avant, parce que si on va trop vite ou si on le fait mal, bah ça ne change pas. Donc on va tirer une fois. Ça doit pas trop mal tirer. Ça tire plutôt bien. C'est un son de canon, donc en théorie, ça devrait pas taper dedans. Mais bon, sur la vidéo de broche, ça quand même taper dedans avec une acoustique. Ma foi, ça passait. Est-ce que je me rappelle, je sais pas si ce blaster là slam. On va essayer. Non. Ça vous fait juste sauter une fléchette. Ça vous fait juste sauter. Ça vous fait juste sauter une fléchette. Donc vous voyez bien que les fléchettes méga normales et les fléchettes Acoustrike passent très bien. Alors par contre, j'avais déjà fait un test de tir, alors là j'étais plus que dégoûté. Je voulais pas trop utiliser les Acoustrike pour pouvoir les garder pour je sais pas quoi d'ailleurs. Je voulais, du coup j'avais fait des tests de tir avec les méga comme ça, elles étaient pas super neuves. Alors là, les portées c'était n'importe quoi. Et les tirs, bah la moitié il restait dans le blaster, c'était vraiment n'importe quoi. Donc les fléchettes qui sont pas neuves, elle était surtout pas là-dedans, parce que ça va pas tirer. J'étais dégoûté, franchement. Et alors du coup, j'ai refait un test de tir, du coup j'ai pris les fléchettes Acoustrike, et là, c'était déjà un petit peu mieux. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce blaster-là, esthétiquement, il me plaît bien. Les portées, la précision, vous allez voir ça après. Et puis, j'ai bien hâte de l'utiliser en partie. Vous êtes prêts pour le test de tir ? C'est parti mon kiki. Ok, donc là on se retrouve pour le test de tir du Nerf Mega Thunderhawk. Donc dans l'allée là, c'est parti. Ah, pourquoi ne veux pas? Ne veux-tu pas tourner toi? Bon, je tiens à préciser que c'est les fléchettes Acoustrike. Parce que les fléchettes méga, bah des neufs j'en avais pas. Donc j'ai pris les Acoustrike. On voit quand même qu'elles arrivent toutes au même endroit. Voilà. Donc là je vais aller voir où c'est que les fléchettes sont allées et puis je vous dis ça tout de suite. Donc les fléchettes, elles sont allées de 7 à 10 mètres. Donc là, on va passer au test de précision sur les cibles qu'il y a là. C'est parti. Première cible bloquée. Moi, je pensais que les Acoustrike, ça va être entre guillemets facile. Comme j'ai pas l'habitude de tirer avec. Deuxième cible bloquée. Troisième cible bloquée. Quatrième cible bloquée. Oh, frôlé. Oh, deux. Donc, en conclusion, franchement, c'est un bon blaster. Donc, vraiment pas déçu. Avec les fléchettes Acoustrike, ça part pas très loin. Voilà, la plus loin, elle est à 10 mètres. Bon, je pense qu'en précision, on peut aller assez facilement à la cinquième. Mais comme j'ai pas l'habitude de tirer des fléchettes plus lourdes, bah faut compenser. Mais comme d'habitude, je tire qu'avec de la fléchette méga normale, j'ai pas entre guillemets appris à compenser avec la hauteur. Mais ça se fait très largement. Donc,
Personnellement, les bons points là-dessus, c'est le bipied intégré, le mode de chargement, moi j'adore ça. Le chargeur, ça va. Donc sur la notice, ils nous mettaient que comme quoi on pouvait pas enlever le chargeur. Donc pour le transport, on pourrait dire putain, fait yèche. Mais bon, avec le petit système des deux petits tétons, on peut l'enlever assez facilement. Mais voilà. Et puis pour le transport, c'est très bien aussi. Ce qu'ils ont bien pensé aussi, c'est le fait qu'on puisse dévisser ça. Du coup, pour le transport, c'est génial. Le petit truc en plus, c'est ça. Ça, c'est assez marrant si on veut se taper un délire pro sniper. Donc, ça, c'est vraiment bien. Le truc qui est bien aussi, c'est l'oreille tactique. Du coup, on peut fixer une petite caméra et en air foire, du coup, on peut filmer un truc assez sympathique. Ce qui aurait été bien, c'est ouais, dommage que du coup, quand on allonge le canon, on n'ait pas de rail ici pour mettre une lunette pour faire le sniper. Parce qu'une fois qu'on a mis la lunette là, bah, c'est pas le truc le plus évident ni le plus logique. Donc, ouais, franchement, en maison, je pense qu'il y a un truc à faire. Par contre, en forêt, franchement, je pense pas que c'est la meilleure option à faire. Mais franchement, vraiment pas déçu. Après, voilà, je pense qu'en mettant des fléchettes. En mettant des fléchettes méga de normal de base, je pense qu'on peut gagner voilà 1, 2, 3 mètres. Mais c'est pas le nerf le plus puissant qu'on a trouvé. Mais bon, pour mon utilisation en maison, je pense que ça va me suffire. Même si je pense que ça va pas être moi qui va utiliser ce blaster là le plus souvent. Je pense que si je ravite Maxence, en passant par là, je lui fais un coucou. Je pense que c'est lui qui va le prendre, hein, l'amoureux du snipe. Hein. Je pense que c'est lui qui va le prendre. Donc voilà. Sur ce, moi j'aime bien. Donc si cette vidéo vous a plu, lâchez un like, mettez-moi en commentaire un blaster que vous voudrez voir le plus rapidement sur la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Je vous mets mon compte Instagram en description. À la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les nerfeurs.